Bonsoir à vous. Je voudrais partager avec vous un message qui m'est venu de je ne sais où, de l'univers, de mes assistants ou de ma conscience. Mes amis, vous n'avez pas besoin de vous perdre dans les perturbations que subit la société actuellement. La liberté est le droit de naissance de chacun d'entre vous. Et les divergences actuelles ne font que nourrir et renforcer la négativité déjà présente sur cette terre. Oui, de nombreux conflits vont éclater. Oui, des millions de morts sont à venir. Et oui, des catastrophes vont avoir lieu. Toutes ces choses, voulez-vous les subir, mes amis, ou alors leur permettre d'être? Et continuez à être et faire de votre mieux pour permettre à la positivité et à l'amour d'éradiquer tous les maux qui font du mal à l'humanité. Rappelez-vous que vous n'êtes pas ici pour subir ou souffrir. Vous êtes sur Terre pour expérimenter et vivre votre meilleure vie. Alors mes amis, je vous le demande solennellement, ne vous résignez jamais à être ce que les autres veulent que vous soyez. Car c'est en étant vous-même et en étant aligné avec l'être magnifique qui est en vous que vous collaborerez à l'évolution et à l'élévation du champ vibratoire de votre planète. Connectez-vous à votre conscience supérieure. Écoutez votre intuition. Faites confiance à votre cœur et fuyez les personnes qui ne font que ressasser tous les événements négatifs. Car ces mêmes personnes courent à leur perte. N'essayez pas de les sauver, car elles vous entraîneront avec elles dans leur chute. Aimez-vous tel que vous êtes. Donnez de l'amour et du temps à votre entourage et à ceux qui en ont besoin. Par votre simple lumière, vous leur permettrez de se sentir mieux, de savoir qu'ils ne sont pas seuls, de pouvoir reprendre espoir et à leur tour, ils feront de même avec d'autres personnes. C'est ainsi que, grâce à vous et grâce à la lumière qui rayonne en vous, l'humanité renaîtra sous un nouveau jour, sous le signe de l'unicité, du partage et de l'amour. Non, ce n'est pas utopique, mes amis. C'est la meilleure version de ce qui peut arriver si chacune et chacun d'entre vous œuvrait pour élever les vibrations de cette belle planète qui souffre actuellement de l'égoïsme, de la perversité, de l'orgueil et de la jalousie des humains. Vous pouvez y changer quelque chose, vous pouvez tout changer. Je vous dis merci à vous et merci pour elle. Voilà, je voulais partager ce message que je viens de recevoir avec vous parce que je me dis que c'est ma mission, il est important de transmettre ces messages. Par le passé, je recevais beaucoup, j'en ai beaucoup de messages, mais c'est vrai que je ne les partageais pas par timidité, par peur, à cause de mon mental peut-être. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de les partager avec vous, de vous les transmettre, parce que c'est de mon devoir de les transmettre pour qu'ils soient entendus. Peut-être écouter et justement pour que chacune et chacun puisse faire comme il peut avec ce qu'il a des choses qui permettront de tout changer. Voilà. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Que le meilleur vous arrive.